PEGI 18. Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Resident Evil pour la partie 4 avec Jill. Alors, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Alors ça, on va mettre ça là. Et ben j'ai fait du rangement, voilà. Tiens, toi, hop, tu viens ici. Et donc on avait récupéré tous les masques mortuaires. Voilà. Surtout, voilà, j'ai bien rangé mon inventaire, quoi, du moins le coffre, comme j'ai l'habitude de le faire. Maintenant, alors on va prendre ça et on va prendre ça. Voilà. Je regarde. Oui. Et donc là, cette fois-ci, je suis obligé de passer dans l'endroit où les scripts se sont déclenchés dans les vidéos précédentes. Donc là, on va aller récupérer le dernier masque mortuaire. Non, de toute façon, j'ai pas la place de prendre les masques tout de suite avec moi. Alors, hop, on va prendre le raccourci. Et donc là, on va récupérer le dernier masque dans la pièce au corbeau. Où avec Chris, je me suis fait avoir lamentablement en appuyant sur le bouton alors que je savais pertinemment que l'énigme n'était pas faite. Ça m'apprendra à appuyer sur tous les boutons. Alors, donc là, on va se retrouver dans le hall. Et après, on passe par en bas, tout simplement. Alors... Hop. J'ai quoi comme arme? Ok, j'ai ça. Je me demande même si je vais pas l'équiper tout de suite, le fusil à pompe. De toute façon, celui-ci, dès qu'il est vide, j'utiliserai plus de... Je le rechargerai pas, hein. Je prendrai celui de Richard, qu'on a croisé dans l'épisode précédent, qui malheureusement a été croqué par... Par le serpent. Voilà, donc il a donné sa vie contre la nôtre et du coup, nous on a récupéré son fusil. Donc on dit merci Richard. Alors. Donc là, dans ce sens-là, les chiens ils ne passent pas. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Jill elle est un peu bourrée. En même temps, c'est moi avec ma croix directionnelle qui fait un peu n'importe quoi. Alors. Ils sont où les cocos? Hop, en voilà un en moins cramé. Voilà, on va se mettre là. Alors, toi, est-ce que je peux faire pareil? Ça serait plutôt sympathique. Allez, viens là. Alors. On va prendre le pistolet. Donc, lui, il est mort. Ça, c'est bon. Alors j'en entends un, il est juste derrière. Tu veux pas venir? D'accord, ils sont là. Voilà, allez venez messieurs. On va recharger. Comment ça, je t'ai pas toi? Oh le gaspillage. Ah, ils ont pas l'air d'être pressés de venir. Hein. Alors, toi. Voilà.
Ok, bon, il n'est pas mort. C'est pas grave. Hop, alors, pour éviter de perdre du temps, on va recharger via l'inventaire. Il est mort. Alors, est-ce que je vais bien tous les avoir? Ah zut, le premier déjà, je l'ai pas. Voilà, on va attendre que... Voilà, il est fini de brûler. Avant de brûler l'autre, parce que quand je vais repartir, bah, je vais me faire brûler. Hop. Non. Bah oui, bah voilà. Bah voilà. Alors, au niveau de ma vie, je suis comment? Oh bah ça va. Pas trop fait mal. Du coup. J'espère que... Oh, ils sont tous cramés. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, hop, on va aller... alors je vais recharger parce que normalement il y en a un autre que j'avais pas encore abattu depuis le début du jeu. Et je n'ai plus rien pour le cramer, zut. Et ben on va l'esquiver. Plus besoin de cette clé, oui. Voilà. Donc c'est juste sur le retour. Bah quoi que non, vu que j'ai le crochet, je passerai par l'extérieur. Voilà, comme ça m'évitera de le tuer. Alors, donc la célèbre énigme. Alors, si je me souviens bien, faut que j'appuie une fois ici. Voilà. Voilà, donc là, ça nous fait une couleur orange. Ok. Ici, on touche pas, on touche pas. Et c'est de l'autre côté. Une couronne est sortie d'un vitrail jaune. Voilà, du coup, ça fait une couronne verte. Et ici, un collier. Appuyez oui. Voilà, donc ça c'est bon. Du coup, j'ai l'orange, le vert, et donc là. Oh, ouais, c'est bon. Alors, il y a un bouton, donc on va voir si je me suis pas fait avoir. Voilà. Allez, Jill court. Et donc voilà, donc quand on réussit l'énigme, on se fait pas avoir par les corbeaux. Du coup, maintenant, voilà, Jill, elle a le crochet de serrurier. Du coup, on peut passer directement par là et ça évite de se faire avoir par le zombie qui rôde. Alors maintenant, ici, hop, non, c'est par là. Donc là, on va faire un petit détour pour récupérer bien évidemment les autres masques mortuaires. De toute façon, je n'ai plus besoin du fusil, vu que maintenant il est vide, il va pouvoir faire dodo dans le coffre. Et récupérer donc l'autre fusil à pompe. Et moi, ouais, je vais même laisser mon pistolet, je prends que le fusil à pompe. Je crois qu'il nous fallait 3 ou 4 balles de fusil avec Chris. Ça, je m'en souviens plus exactement. Tac. Et voilà. Hop. Allez, on descend. Du coup, je sais plus combien de fois je suis passé par la porte en bas, s'il me reste encore un coup ou si la poignée est déjà cassée. Je ne sais plus. Alors, ça, on va laisser ça là, ça, là, ça, là. Alors, les soins. Tac, tac, tac. Je vais quand même prendre un full soin avec moi, on ne sait jamais. Jill a quand même peu de vie. On va pas faire n'importe quoi avec. Hop. Ouais, je vais pas faire le fou. Hein. Je vais quand même prendre les chargeurs. Voilà. On s'en équipe. Et on part à la guerre.
Donc la machine arrière, hall d'entrée, puis après on va direction la crypte pour voir notre ami Trevor, voir s'il est toujours mort. Allez. Du coup, après Trevor, qu'est-ce qu'on récupère dans la crypte? Je crois que c'est le médaillon pour aller en extérieur. Tout simplement. Ah, si je rate la descente, ça va pas le faire. Hop. On sort. Ouais, après, je crois que c'est justement l'emblème Umbrella qu'on pose sur la porte pour aller au niveau de la résidence du gardien. Donc là, c'est plutôt cool. On avance beaucoup là. Hop, c'est par là. Je fais n'importe quoi. Si j'avais récupéré les. Ouais, j'avais récupéré. Allez. Alors, ici, non, non, j'y vais un peu à la sauvage, hein, non plus. Voilà, comme de par hasard, c'était le dernier. Après, donc ici, il y a un trou au niveau des yeux, du nez et de la bouche, donc c'est celui-ci. Voilà, c'est quand même plus rapide quand on regarde. Après, allez, dépêche. Voilà. Après, donc là, je crois que c'est uniquement le nez. Oui, ça m'a l'air d'être ça. Uniquement le nez, c'est là. Non, je suis pas en face. Voilà, là, je suis bien en face. Et donc, du coup, le dernier. Pourquoi j'ai appuyé sur la croix? C'est pas ça que je voulais faire moi, si je voulais aller dans le menu. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors j'ai longé les murs en cas où si je pouvais d'abord récupérer les munitions avant. Eh ben non, je pouvais pas. Bon, 3 balles avec le fusil à pompe. C'est plutôt correct. Alors, voilà, moi je voulais essayer de voir si on pouvait récupérer les munitions de fusil à pompe avant, mais non, en fait on peut pas. Donc voilà. Hop, on récupère ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà le bouton pour ouvrir, c'est parfait. Et on récupère justement l'emblème. Tac, du coup. Ah bah oui, non. Ah, je suis obligé de retourner. Ah bah de toute façon, dans tous les cas, je suis obligé d'y retourner. Il me faut le symbole du vent. Si on part en extérieur. Hop. Pour avoir le magnum. Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est de toute façon c'est tout de suite parce que là dès qu'on sort, on fait l'énigme avec les statues des chiens. Et après on arrive directement dans le cimetière juste derrière, là où il y a justement le coffre. Quoi, pas le coffre. La cache, on va dire, du magnum. On peut l'avoir d'une autre façon, mais c'est une mauvaise fin, on va dire. Et donc, je vais essayer de faire comme avec Chris. Je vais essayer, je dis bien, d'avoir la meilleure fin avec Jill et de sauver tout le monde. Alors. Ah,
qu'est-ce qu'on va récupérer là? Qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait le symbole du vent? Voilà, le voici. Après, donc le soin, je vais le garder. Donc là, j'ai besoin de ça pour ouvrir la porte. Et après, bah, c'est tout, vu qu'on récupère. Ouais, non, c'est bon. Je regardais si on avait besoin d'autre chose, mais non. Du coup, bah, je vais essayer de passer. J'espère que je peux passer par là. Ça m'éviterait de faire un détour. La poignée de porte va sans doute casser. L'ouvrir tout de même, oui. De toute façon, dès l'instant qu'on revient, Wesker nous laisse un message disant que, il a réparé la poignée de la porte. Donc après, on n'aura plus ce problème. Alors, toi, je t'ai snobé depuis le début. Hop. Bon, il n'est pas mort, c'est pas grave. Ah, si, il est mort. Alors, on va recharger. Là, par contre, j'ai envie d'essayer un truc. J'ai un soin. Alors, on va se déséquiper. Parce que j'ai envie de passer sans tuer le chien. Il m'a bien embêté avec Chris. Et j'ai envie de voir si on peut se dépêcher. Allez! Voilà. Donc là déjà il y a un chien en moins vu que après sur le retour normalement il y est plus. Vu que ça va lancer le script du Hunter. Alors ici des outils de jardinage, non, moi je veux les munitions, merci. Voilà, donc ça nous en fait quand même déjà 26. C'est plutôt cool. Alors ici nous avons une batterie au lithium. Non, moi je veux juste les pots, pas les pots, le spray. Oui, si, c'est bon. J'étais en train de réfléchir s'il me faut trois emplacements. Donc, je les ai. De toute façon, avant de récupérer les trois emblèmes, je me débarrasse de celui-ci. Donc, j'aurai quatre emplacements. Donc, tac, ça, c'est bon. Est-ce que je m'en équipe? Bah, non. Pas besoin. Par ici, il n'y a pas de zombies. Il n'y a que des corbeaux. Et dans tous les cas, non, j'en ai pas besoin. Alors, je me souviens plus. Alors ici, je sais que c'est à l'ouest. Et j'ai raté. Oui. Voilà. Voilà, lui, il nous montre son derrière. C'est bon. Non. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire pareil. Voilà, donc l'ami Barry nous prévient de Lisa Trevor, un monstre enchaîné. Alors là, par contre, je crois que du coup, je m'étais trompé. Et bah, je crois que c'est le nord. Manque de peau, j'ai fait l'est. Et on va essayer de faire le nord. Voilà, parfait. Du coup, maintenant la porte est ouverte et on va pouvoir aller récupérer notre magnum. Ah oui, les corbeaux. Allez, on récupère tout ça. Alors on spamme la touche, hein, comme d'habitude, on se dépêche pour éviter que les corbeaux nous attaquent. Non, Chris, je crois pas qu'il m'avait attaqué, mais là j'en vois un qui arrive. Et voilà. Bien évidemment, il faut que je me fasse avoir. Alors, du coup, ça, examiner. Derrière, on fait ressortir tout ça. Voilà. Et on utilise.
Là, pareil. Et on utilise. Et enfin, le dernier. Et voilà le sésame, le célèbre magnum, le même que Barry, je crois. Du moins au niveau look, il ressemble à celui de Barry. Alors tiens, il y a une plume, ça veut dire qu'il y a un corbeau qui est pas loin. Barrez-vous, merci, laissez-moi tranquille. Du coup là, je vais récupérer le soin aussi, vu que j'ai un peu de place. Alors, on a entendu notre chère Lisa. Hop, par là. Ah zut, voilà. Et donc là, bah, j'ai encore fait le grand détour. Non, c'est bon. Alors, on récupère les petites herbes. Et on va aller voir bah, notre amie Lisa. Alors, donc là, le plan que je que j'oublie pas, heureusement que je l'ai vu au montage. Voilà, donc là, nous avons la cour. Après, donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Ici, nous avons le coffre. Alors, le soin qui va descendre tout en bas. Et donc, le magnum, il va faire dodo ici. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. On va y récupérer la manivelle pour la suite. Et du coup, maintenant, on peut lancer le script avec Lisa. Elle a fait carabosse. Ouh là là. Je vais peut-être reprendre un soin du coup. Ah, c'est pas le moment. Bah, super. Ah, t'énerve pas, toi. Voilà. Allez, dépêche-toi. Aïe! Non, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ah, t'énerve pas, je m'en vais. Hop, c'est par là. Voilà. Ouf! On a réussi à s'enfuir des griffes de Lisa. Ça a été laborieux. Je me suis mieux débrouillé avec Chris. Alors, par contre, donc là, je vais pas faire n'importe quoi. C'est comme je suis déjà dans le jaune. Normalement, il n'y a pas de souci, c'est pas tout de suite le zombie, c'est quand on a fini les. Eh ben, si, il est là. Je croyais que c'était quand on revenait des mines. Voilà. Vas-y, tu peux râler, je m'en fiche. Du
Du coup, là après. Ah oui, il y a les chiens aussi. Je n'ai plus de soins, je voulais en prendre. Je voulais prendre juste une herbe au cas où, mais j'ai oublié. Petit fail de ma part, c'est pas grave. On va continuer. Donc les corbeaux, surtout, restez là où vous êtes, ça m'arrange. Du coup, là, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit je me dépêche de récupérer une arme, ou alors je fonce dans le tas en espérant que, en serrant les fesses, que ça passe. Je crois que je vais tenter la deuxième option. Parce que je risque de me faire avoir plutôt qu'autre chose si je perds mon temps à récupérer les herbes sur la route. Surtout qu'après, dès qu'on arrive en bas, on en a. Donc, non, je vais foncer dans le tas. Alors, je vais juste regarder l'inventaire. Ouais, c'est bon. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Voilà, donc l'ami Richard nous a donné, comme avec Chris, une radio qui fonctionne pas. Voilà, bon, c'est bien passé avec les chiens, je les ai quand même bien frôlés, mais c'est bien passé. Mais c'est pas fini pour autant. Ah oui, donc ça, on va vider. Ah oui, on entend le bruit d'une chute d'eau au loin, mais c'est pas grave parce que ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse justement, c'est de passer par ici pour l'instant. Alors, j'espère que les serpents. Bah non, les serpents, c'est pas tout de suite non plus. Du moins, j'espère. C'est en revenant qu'ils vont commencer à apparaître. Là, s'il y a les corbeaux, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas une herbe normalement? Si. Voilà, c'est toujours ça de pris. Et on s'en va. Voilà. Et du coup, là, on arrive à la résidence du gardien. Bah oui, déjà. Ah, une herbe rouge. Je dis pas non. Ça me fera un full soin. Par contre, je vais peut-être pas la combiner tout de suite. On verra après. Hop, les serpents qui tombent, voilà. C'est les potes à Yone qu'on a battu tout à l'heure. Alors, donc là, du coup. On va récupérer les herbes bleues. Oui. Alors pareil, ici, je pense pas que je vais les combiner. Je vais les mettre dans le coffre. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, ça, d'entrée de jeu, on va le pousser. Voilà, donc là, ça, c'est bon. Peut-être pousser un peu plus. Voilà, on est tatillé. Oh bah non, du coup c'est trop. Je voulais vraiment que ce soit pile poil serré. Non, allez, voilà, là ça devrait le faire. Eh ben non. Mais non, tu peux pas. Si? Ah bah si. Bah alors pourquoi tu t'es arrêté? Espèce de cruche. Voilà. Ça c'est bon. On va faire un tour dans la salle de sauvegarde.
Et bah du coup, ouais, on arrive à 30 minutes. Donc bah du coup, on va s'arrêter là. Voilà, ça c'est fait. Oh, oui, il y a des choses là. Et je suis plein. Ah, c'est pas grave, je vais manger la petite herbe. Quoique. Ouais, je vais manger la petite herbe. Voilà, comme ça on est dans le vert. On va récupérer le spray. Ici, c'est une pile que j'ai pas encore utilisée. Hein. Je me suis moins fait attraper que qu'avec Chris. Oui, bah ça, je sais, j'ai plus de place. Hop, on prend la batterie. Du coup, je sais plus à combien j'en suis de batterie là. Voilà, 4 poignards, 5 batteries. Donc ça va. Il y a de quoi faire. Alors, donc déjà, on va poser tout ça dans le stock. Tac. Hop. La manivelle, j'en ai plus besoin pour l'instant, donc on va la poser gentiment là-haut, voilà. Et bah tiens, on va prendre le briquet et la gourde, plus les rubans encreurs, voilà. Alors, donc ça, on va remplir. Oui. Je vais reprendre le pistolet. Je vais reprendre le pistolet, parce que du coup, là, les munitions partent beaucoup avec... le fusil à pompe, du coup, voilà. On va prendre ça comme ça. Non, moi je voulais les rubans en creur pour faire la sauvegarde. Voilà. Une machine à écrire, vous pouvez sauvegarder votre progression. Oui. Donc du coup, je me suis reconnecté à Internet. Hein, c'est beaucoup plus rapide, mine de rien. Ah, on est à la quatrième vidéo, on est déjà ici. Donc ça, ouais, c'est vraiment cool. Ça avance beaucoup plus rapidement qu'avec Chris. Tac. Du coup là il va nous rester bah, voilà, toute la résidence du gardien. Donc il faudra aller dans les sous-sols pour voir Neptune. Et la plante 42, oui, il faut que je prévoie un crayon pour noter justement les symboles à prendre. Ouais, donc on va se laisser là, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois pour voir tout ce beau monde dans la résidence du gardien. Voilà. Donc je vous laisse et puis bah d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.